pur souk, souk de sius. Matériel métinette, le stadium de là. Alors là, je suis au souk de Mascate, ok. Voilà. Je voulais pas venir, mais je suis quand même venu. Ah, ça commence à fermer, hein, quand même. Ça commence à fermer. Je voulais pas manquer quelque chose, donc je suis venu. Ma première destination, quand je suis arrivé au Sultanat d'Oman, c'était le marché, le souk de Moutra. Donc c'est un endroit incontournable. Le problème, c'est que c'était fermé, parce que je suis arrivé le jour de l'Aïd el-Fitr, hein, le jour qui marque la fin du mois de Ramadan. Donc là, c'est la fin de mon voyage à Oman, hein, c'est la nuit. Le lendemain matin, je vais partir à Dubaï et je visite le marché juste avant la fermeture. Bon, ici, il n'y a que des conneries, que des jouets. À ce moment-là, j'avais un abcès dentaire, hein, ma joue était enflée, donc ça se voit en début de vidéo. Heureusement pour moi, les Omanais sont très bien formés, donc j'ai trouvé facilement un centre dentaire à Mascate. J'ai été impressionné par ce centre dentaire parce que, premièrement, je n'ai pas attendu longtemps, hein, dans la salle d'attente, 5 minutes maximum, et franchement, c'était un travail de qualité. Là, je suis devant une boutique qui vend de l'encens. Vous savez que le Sultanat d'Oman, c'est le pays de l'encens. J'ai un seul regret. En fait, j'aurais dû prendre beaucoup plus d'encens. Franchement, ça sent trop bon. C'est de l'encens de grande qualité, produit dans le Sultanat d'Oman du côté de Salalah. La plupart des marchands que je croise ne sont pas des Omanais. Ce sont plutôt des Indiens, des Bangladais, des Pakistanais. Dans le Sultanat d'Oman et les Émirats Arabes Unis, l'immigration n'est pas perçue comme en France, c'est-à-dire comme un fléau. Les Arabes de la péninsule arabique sont des gens intelligents. Ils ont bien compris que l'immigration crée de la richesse par le travail. Donc, je visite les moindres recoins de ce marché et je vais m'arrêter devant une boutique qui vend de l'encens. J'ai demandé au vendeur s'il avait de l'encens au musc. Il m'a répondu qu'il n'en avait pas, du coup j'en ai pas acheté. C'est un regret, j'aurais dû prendre un sachet parce que ça sent trop bon, c'est de la grande qualité. Bienvenue en Inde. En fait, c'est le souk d'Oman. Hein. Bon, j'ai terminé ma visite, je dois partir, mais voilà, j'ai galéré pour trouver la sortie, donc j'ai utilisé le GPS de Google. Franchement, le GPS de Google m'a beaucoup aidé pendant ce voyage, hein, pour faire mes visites. Je vais retourner direct à mon hôtel, préparer mes affaires, parce que demain matin, j'ai un vol à prendre pour Dubaï.